Hello tout le monde! Donc, je vous ai demandé quelle vidéo vous aimeriez avoir sur ma chaîne, puis mon dieu que le monsieur me trouve bizarre. c'est que c'est malaisant. J'ai 4 flashs, je vais m'enlever. Je trouve ça tellement plate de vlogger ma journée parce que j'ai peur que vous trouviez pas ça intéressant, puis en même temps, moi j'écoute des vlogs qui sont pas intéressants, puis je les écoute quand même. Dans le fond, j'ai décidé que je vais vlogger ma fin de semaine au complet parce que cette semaine, j'ai vraiment une grosse semaine. C'est ma fin de semaine où je m'en vais à 5 titres, donc j'ai beaucoup de chansons à apprendre. Puis je fais aussi la première partie de Matlang demain. Donc j'ai eu une grosse semaine, je suis courue partout, j'ai essayé de trouver mon outfit, j'ai appris plein de chansons, j'ai pratiqué avec les boys. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'en va faire une genre de final practice chez mon bassiste, chez Nicolas, donc je m'en vais les rejoindre. Je suis toujours en retard, donc là, mettons, le GPS dit que je vais arriver 15 minutes en retard. Mais c'est pas grave, parce qu'ils sont habitués. J'arrête de vlogger, puis je m'en vais là le plus vite possible. Puis je vais filmer toute ma fin de semaine au complet, backstage, puis tout le kit, même qu'on va voir Matlang. Ça va être cœur, hein? J'ai bien hâte. Je suis quand même stressée. Je suis vraiment stressée cette semaine. Je pense que dimanche matin, quand mon show de 5 titres va être passé, là, mes shows d'été vont être finis, je vais avoir beaucoup de stress en moins. Fait que... sur ce, bye bye. Ah, Jésus, tu vas être dans une vidéo. Ah non. De rester dans mon moment vulnérable. Marc, sens-tu prête? Je suis toujours prête. Ok, mais check me. Ce qu'on va faire, on va faire A5. Nicolas Fontaine. Avec le break. Nico. La deuxième. Fait que là, je suis encore au Carrefour Laval parce que je suis une fille puis je suis très indécise dans mes vêtements. Puis j'ai ma styliste d'habitude, Cap, qui m'habille, mais là j'ai comme été dernière minute, fait que j'ai oublié de demander qu'il fallait qu'elle m'habille pour 5 titres. Fait que je vous donne une news de mon outfit. J'espère que je vais trouver, sinon je suis dans ma. J'ai trouvé! Petit truc, faites bien attention aux vêtements, puis un coup vous les avez portés, mais vous allez les faire rembourser! Un vlog, ok, parce que je fais un vlog de ma journée, puis hier j'ai complètement oublié. Fait que hier finalement je suis revenue chez nous, puis j'ai pas eu le réflexe de filmer, mais on a fait. Gab est venue souper, une de mes amies est venue souper à la maison, s'est fait des pâtes, puis je me suis pris un restant pour aujourd'hui, pour la fin de semaine. Puis on a préparé tout mon merch, on a tout finalisé mes tunes, j'ai pratiqué mes derniers préparatifs, j'ai fait mes valises. Et là, Gab, attention, si tu veux pas être filmé. Ça, c'est tout ce que j'ai besoin, genre, en 2 jours au festival. Je vais vous filmer ça d'un autre angle. C'est ça pour dormir, parce que je dors chez une madame. Bref, c'est ça, comme ça que ça se passe au festival. J'ai tout mon merch là-dedans, toutes mes grandeurs. J'ai mes albums, j'ai ma guide. Tout ce que j'ai besoin pour la scène, un sac si je veux me promener et ma valise de show pour 2 jours de show et promenade. Je sais pas s'il va faire beau ou non, fait que j'ai pas le choix d'aller tout ça. Alors voilà, pour le reste, je m'en vais rejoindre les musiciens dans 1 heure à Berthier pour qu'on se rende à Saint-Tite. Lily! Allô! Fait que là, on vient d'arriver au point de rencontre à Berthier et là, on pack le char. C'est ridicule comment on a du stock. J'ai dit que j'ai abusé, mais j'ai pas abusé parce que j'ai vraiment besoin de tout ce que j'ai apporté. Oui, oui. Puis on a pas oublié la Budweiser. On a pas oublié la Budweiser. Ça, c'est mon petit sac. Donc, on est prête, on attend Marc et on est parti! Il est arrivé! Allô Marco! Fait qu'on vient d'arriver au festival, il y a vraiment beaucoup de monde. Tu sais comment tout le monde est chaud, Carlis! Hey, attention, c'est un vlog! Ah, excuse-moi, là, tu peux le déliter. Ouais, je vais pas bon faire du montage, je vais te laisser. Fait que là, on est en train de réaliser à quel point c'est difficile de conduire dans un... Ben dans ça, là. Donc ce soir, c'est la salle dans laquelle on joue la première partie du beau Matlang. Je suis très très énervée. Je vais vraiment être plainte, c'est soldante, extra soldante. Puis voilà, j'ai très très. Ouais, c'est pas grand-chose déjà là. Ah, Marc? Hein? Tu es en feu avec ça? Oui! C'est la petite loge, toute douce. J'ai un petit touche ici. Puis là, ici, c'est la salle commune avec toute l'équipe de maths. Il y a tout le petit buffet à manger. On est vraiment bien servi. Un petit souper qui se cache là-dedans. Je sais pas trop c'est quoi. Ici, c'est la salle commune. Fait que, ici, c'est là où c'est ma loge. C'est rejoint. Je suis quand même nerveuse, mais non, même pas. Même pas. On sent déjà qu'il est super bien été. Donc, mais Thank you.
soir, j'ai la chance d'ouvrir le spectacle d'un artiste incroyable qui prend de plus en plus place dans l'industrie de la musique. Est-ce que vous connaissez Matt Lang? Est-ce que vous êtes en feu ce soir? La soirée au complet, j'ai fait mon show, Matt a fait son show, j'étais avec mon beau drummer sexy, en couple par contre. Là, ben, on ramasse toutes nos affaires, puis on s'en va dans la ville après, enfin on s'en va à la maison où on dort pour mettre nos affaires, puis après on s'en va peut-être veiller, penses-tu? Peut-être se promener dans la ville. Peut-être se promener, on est comme à 20 minutes, je sais pas si on va être vraiment motivé, mais j'espère que oui, parce que c'est ça mon plan. T'as pacté mes trucs? C'est pas dérangeant? Hey, dis-moi! Attends, j'ai tout cassé! Il est insupportable! Ça fait que là, c'est la fin du festival. Ben, en fait, non, pas en tout, c'est le début, mais c'est la fin de ma soirée. Et demain, va être une autre journée, mais on se fait escorter par des gentilles personnes. Pour éviter le trafic de monde parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Voilà. On est fini par se rendre à la maison parce qu'on n'avait pas vraiment d'attente où on dormait. C'est genre. Ok, ok. Ça va, oui, c'est pas plate. C'est l'endroit où on dort. Le gros luxe. Laurent Saint-Martin sur son pire jour. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Tu veux la journée sans rire avec sa maman à Marco. La maman à Marco. Mon chocolat. La dernière barbette. C'est un peu. Présentement 5h l'après-midi, puis mon show est juste à 9h, puis je termine à 2h du matin. Ça demande beaucoup d'énergie. Puis là, en plus, il mouille, il fait froid, je me sens fatiguée. Fait que comme je suis vraiment gelée, j'ai l'impression que ma voix est pas top. Fait que là, je vais me reposer, je vais checker mes tunes tranquillement, puis dans 2h, on va retourner sur le site pour manger, puis faire le show. Fait qu'il est rendu 7h30, puis on est prête pour le deuxième show avec Marco et Mimi. Est-ce que Mimi va être dans le vlog ou non? Mimi est là. Fait qu'on s'est repumpé d'énergie un petit peu, je pense, hein? On n'a pas mangé encore, mais j'aurai pas le temps. Fait que je vais manger peut-être encore un élastique de deuil. Puis c'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire. À plus tard. Puis il en reste un, les gens sont sa brosse, c'est le fun. Puis après ça, on pack nos affaires, on sort à la maison pour dormir dans le lac. Crevé, on est crevé! Ce que j'ai mis, c'est moi à acheter aujourd'hui. Oui, c'est ah ouais. Là, t'avais mes choses. Ah ouais. T'avais mes choses. Combien t'as payé? Je dirais pas combien j'ai payé. 400$ au noir. Pas le gars, dans le lâche, on vient de finir la bouche. Puis Mémé est fatiguée. Ok, tout est vide, puis il faut qu'on pack le char, c'est là. C'est les plus. Ok. Ouh, j'ai des beaux yeux comme ça. Ouais. Bon matin tout le monde. Mon Dieu, j'ai l'air magané. Il est présentement 10h, puis on s'est couché à 4, puis on
On est en route déjà. On arrive déjà les deux. Mais overall, c'est vraiment une belle fin de semaine. Est-ce que t'as vu ça, Jay? Est-ce que t'es tenté de voir des gens? J'ai un genre de guitariste un peu sauvage avec. Pas sauvage. Un petit peu quand même. Courte tolérance envers les humains. Les colons. Sur ce, voilà. Je pense que c'est comme ça que je vais finir mon vlog. Direct. Okay, bye! Peace out, I'm brave.